Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Récemment, nous avons parlé de la foi et des promesses de Dieu. Aujourd'hui, notre message est pratique. Quand la vie semble trop lourde, Jésus revient bientôt, espoir pour son peuple. Bien-aimés, il se passe beaucoup de choses ces jours-ci. Les dernières semaines, mois et années n'ont pas été faciles pour personne. Alors très cher, si la vie semble lourde en ce moment, vous n'êtes pas seul. Bien-aimé, peut-être vivez-vous le deuil d'une perte, la perte d'une carrière ou d'un être cher. Peut-être avez-vous des problèmes de santé mentale ou vous souciez-vous de quelqu'un qui en souffre. Peut-être que le poids de ce qui se passe dans le monde vous donne l'impression d'écraser votre âme. Bien-aimé, je me suis retrouvé dans cette position. Les disciples aussi. Et dans les temps troublés, ils ont failli céder, écrasés, sous le poids de la peur, du chagrin et de la perte. Jésus les a rassemblés et leur a dit « Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Je vais vous préparer une place et, un jour, je vous emmènerai là-bas pour être avec moi. » Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Oui, très cher, nous vivons peut-être des temps troublés, mais Jésus nous rassemble toujours et nous murmure. Arrêtez d'être troublés. Vous êtes un chrétien. Vous m'avez. Levez-vous chaque jour avec un espoir sincère et concentrez votre esprit sur l'Éternel. Bien-aimés, nous avons un espoir sincère en Jésus. Et au ciel, notre maison. Lorsque vous regardez la vie à travers de la lentille de l'éternité, votre perspective change. Vous voyez ce qui compte vraiment et ce qui ne l'est pas. Dans l'éternité, ceux qui semblent s'en sortir avec le péché ne le seront plus. Les pauvres en esprit seront remplis de joie. La souffrance cessera et les fardeaux seront allégés. La promesse du ciel à venir donne un sens à notre vie en ce moment. Ceci, bien-aimé, est l'espoir du ciel, votre espoir, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse tous pendant que vous gardez la foi. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.